Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien nous va pas perdre temps. N'a commencé. Cool yeah. C'est l'ambiance ça. Tout le monde qui sorti dans divers quartiers, zone métropolitaine, a passé un bon moment dans le jardin Palais National jeudi 17 décembre. Papa Noël, Maman Noël, clown, musique et danse étaient dans rendez-vous. Première dame République, la Martine Moïse, distribuait divers cartes et jouets si vous avez besoin pour permettre de passer une fête Noël dans quelques temps. Première dame encourageait si vous prendre chemin l'école pour qu'il y ait utile tête et utile société. C'est de voir. C'est un petit gros cadeau nous avons moins comme maman nous avons maman que nous quittons la caille. Parce que ouais, là nous faisons de voir nous étudions le son, nous avons une belle moyenne. Et là nous avons une belle moyenne, là nous avons grand, nous avons un avocat, nous avons un docteur, nous avons un mécanicien, nous avons tout ça nous voulons, tout ça nous a remédié. Mais si nous ne pouvons pas l'école la fois, nous n'avons pas grand chose. Et avec l'école là, remplir chance, remplir porte capable pour nous. Donc, nous remercions nous parce que nous devons dire que tout le monde aujourd'hui a fait le monde des sages. Donc, Papa Noël parle de nous, tant de vous un cadeau. Donc, nous recevons un pile cadeau aujourd'hui parce que nous sommes sages. Pas oublier. L'école là. Si moun sa ou sorti Pétionville, Cité Soleil, Carrefour à Clop, commune dans zone métropolitaine. Dans boîte cadeau sa yo, gen outils mécaniques, terrain de jeu, cuisine, jeu médical, pour cité sa ou seulement. Comme déjà annoncé, les plaques sont disponibles au niveau des bureaux, des différents bureaux de la DGI, éparpillés un peu partout sur le territoire national. Maintenant, si on contribue à, en l'occurrence, un chauffeur ou un propriétaire de véhicule besoin de plaque, donc, l'inviter pour que l'Iranie dans un bureau quelconque de la DGI placé en demande de plaque et puis remplir formalité, et puis l'administration se fera le plaisir de le servir. Un chauffeur et propriétaire de véhicule n'a pas gagné aucun prétexte okay, pour circuler sur la voie publique avec un véhicule. Sans plaque parce que c'est contraire à la loi. Okay? Maintenant, m'a répété encore, c'est que les plaques sont disponibles. Donc, si on a besoin de plaque, la justice rentre dans le bureau de la DGI et puis elle a fait demande de plaque là. Et puis, en fait, la DGI a servi. C'est un cadre de disposition spéciale qui prend de concert avec la police nationale et l'office d'assurance véhicule contre-routière et avec autorisation du ministère de l'économie et des finances. Okay? Donc, en attendant qu'au cours de l'année prochaine, la nouvelle commande de plaques régulières arrive, eh bien, l'administration fiscale, comme moi, de concert avec l'institution que société là-haut, mettez à la disposition du grand public les plaques actuellement disponibles dans les catégories mentionnées, à savoir transport passager, transport de marchandises et location. Donc, c'est des dispositions, comme on dit déjà, ma propriété, c'est des dispositions spéciales. Parce que l'important, c'est d'identifier le véhicule. OK? Parce qu'il y a un véhicule qui a circulé sur la voie publique sans plaque d'immatriculation, sans problème de sécurité publique. Atelier sa fête pour commissaire gouvernement a greffé qui soutient dans différentes juridictions pays. Pendant des journées, participants ont recevoir plus connaissances sur la loi 12 février 2008 là, qui traitait question déclaration patrimoine. À travers l'initiative ça, unité lutte contre corruption entend pour tes réponses à mal corruption qu'à la cause dans la société, selon le directeur général ULCCA, Jacques-Louis Joseph. L'État doit permettre chaque institution concernée jouer rôle dans la bataille contre corruption, d'après le directeur général là. Cette démarche traduit notre volonté agissante de combattre en amont et en aval le phénomène
aux effets dévastateurs qu'est la corruption. Si on doit espérer réussir ce combat que le gouvernement mène tambour battant, il faut absolument qu'on se dote d'instruments et de connaissances actualisées et avérées pouvant mettre en déroute les stratégies non sans importance des déviants, des récalcitrants et des contrevenants. Sous ma direction, nous faisons de la formation des agents qui interviennent dans la lutte contre la corruption une obligation. Nous croyons que combattre la corruption exige des aptitudes instinctives et perspicaces permettant d'anticiper les risques et de sanctionner les faits incriminés accomplis. Combattre ce fléau nécessite une formation solide, susceptible de contrecarrer les stratagèmes continuellement renouvelés des corrompus et des corrupteurs. Ministre de Justice et Sécurité publique là, Rockefeller Vincent, salué des massacres qui a baillé même appareil judiciaire, outils pour faire travailler au plus bien. Ministre Vincent, rappelez c'est un travail qui nécessitait apport tout secteur dans la société. La corruption nous vole, nous tue, nous agresse quotidiennement avec une arrogance sauvage, ce qui exige que nous appliquions toutes nos forces et toutes nos lumières à la terrasser. La corruption trouble la paix dans la cité. Elle détruit notre image de peuple. Elle renverse les pouvoirs légitimes pour instaurer les camarillas à la tête de l'État. Nous devons donc l'anéantir par ses racines. Se conformant aux conventions internationales contre la corruption, l'État haïtien a pris plusieurs lois visant à faire taire les bruits assourdissants de ce mal chronique qui nous ronge à grande vitesse jusqu'à l'enrayer totalement. Pendant la première journée, intervenant au Téchita sous thème Takou, ou le commissaire gouvernement, dans l'application loi 12 février 2008, là, sous déclaration patrimoine, présentation loi ça, à présentation ULCC. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.